Comment revendiquer son site sur Pinterest? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo qui fait partie d'une formation complète sur Pinterest que vous pouvez retrouver dans la description de cette vidéo. Bonjour, bienvenue sur webmarketingdébutant.fr. Je m'appelle Marc. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter ou à partager. Et en attendant, c'est parti pour la vidéo. Nous voici revenus sur le dashboard de Pinterest. Donc pour l'instant, il n'y a aucune donnée sur le tableau. Avant de continuer, ce qu'il va falloir faire, c'est revendiquer le site pour lequel on travaille. Donc pour ça, on va revendiquer auprès de Pinterest, comme quoi on est bien le propriétaire du site. Donc pour ça, il faut se rendre là en haut à droite où il y a les trois petits points et ensuite on clique sur Paramètres. Une fois que vous êtes sur Paramètres, vous allez aller sur Revendiquer son site. Ici, on peut voir que par défaut, l'adresse du site est indiquée, donc il suffit de cliquer sur Revendiquer. À cet endroit, vous allez choisir Ajouter une balise HTML. Vous allez copier le code. Donc, vous sélectionnez, clic droit, copier, et vous allez aller au niveau de WordPress sur votre site. Évidemment, il faut que vous soyez connecté sur la partie administration du site. Dans la colonne de gauche, on va descendre sur Apparence. Puis on va sélectionner tout en bas Éditeur. Là, vous avez une alerte parce que vous allez accéder au code de WordPress. Donc là, vous indiquez j'ai compris. Et sur la droite, ici, vous allez sélectionner le fichier qui se nomme header.php. Vous allez l'ouvrir. Donc vous avez le code qui apparaît ici au niveau de la page. Il faut donc retrouver dans ce code la partie head et slash head. Et avant donc la fermeture du header, vous allez ici laisser un espace, vous allez venir coller le code. Donc vous faites un clic droit, coller. Et ensuite vous descendez tout en bas et vous cliquez sur mettre à jour le fichier. Une fois que le fichier a bien été modifié, on peut retourner donc sur le compte Pinterest. Là, vous allez cliquer donc sur Suivant et vous allez cliquer ici, comme quoi vous êtes prêt, vous allez cliquer sur Envoyer. Et maintenant, il va falloir attendre une période de 24 heures afin que Pinterest puisse revendiquer votre site. Ce sera tout pour aujourd'hui. C'était un extrait de la formation complète sur Pinterest que vous pouvez retrouver dans le lien qui se trouve sous la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!